L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ONAJES a tenu hier son premier conseil d'administration. Un premier conseil très attendu dans le milieu de la jeunesse et du sport. Et les travaux ont justement débouché à d'importantes décisions pour l'opérationnalisation effective de l'ONAJES. Innocent Kilayo. Né des cendres du Fonds national d'appui au sport, du Fonds national d'appui à la jeunesse et de l'Office national des sports, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAJES, est enfin opérationnel. La tenue de ce premier conseil d'administration marque le démarrage des activités de l'ONAJES. Quatre ministres et deux conseillers ont pris part à ce premier conseil d'administration. Il s'agit du ministre des Finances et du Budget, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Enseignement supérieur, du conseiller en charge de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, du conseiller en charge de la jeunesse et des sports à la primature et bien entendu du ministre de la jeunesse et des sports et des loisirs, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ONAJES. Cet office est un instrument, est un outil qui va résoudre les problèmes de jeunesse parce que ça va leur apporter des appuis conséquents, puisque ce sont des fonds dédiés, c'est-à-dire que des fonds qui sont prélevés quelque part pour servir la bonne cause et aussi servir le sport de masse, le sport de compétition, les sports de maintien. Très attendu par les organisations des jeunes et les fédérations sportives, le démarrage des activités de l'ONAJES apportera un souffle nouveau aux activités de la jeunesse et des sports très affectées par la crise économique que traverse le pays.